Bonsoir, je m'appelle Laurence Thuner, j'écris de la science-fiction. J'écris un peu un mélange de Planète Opéra et de hard science-fiction. J'écris une série qui s'appelle Quantica, qui est une trilogie qui est parue aux éditions La Talente, dont j'ai écrit le tome 1 qui s'appelle Vestige, et le tome 2, L'Ouvreur des Chemins, qui vient de sortir. Quantica parle en fait de la découverte d'une exoplanète gelée en fait hors du système solaire, et c'est l'histoire de cette découverte et surtout d'une exobiologiste, Ambre Pasquier, qui décide de lancer une expédition à travers la carapace de glace en fait de cette planète boule de neige, parce qu'il semblerait en fait qu'il y a des vestiges qui sont enfouis, en fait des ruines, on ne sait pas exactement quoi, qui sont enfouis sous la carapace de glace. Et les premiers colons qui sont arrivés dans ce système planétaire ont découvert en orbite autour de cette planète, Gemma, un immense artefact de 60 km de long qu'ils ont appelé le Grand Arc, qui est un vaisseau spatial qui a été abandonné, on ne sait pas pour quelle raison, en orbite autour de cette planète. J'ai commencé à lire de la science-fiction très jeune et j'ai fait tous les classiques américains. En fait, j'ai lu tous les grands classiques. J'étais fascinée par Clifford C. Mack, Arthur C. Clarke, Asimov, Philip K. Dick, enfin voilà beaucoup. Et du coup, j'ai lu un roman qui m'avait beaucoup frappée. Je l'avais lu très très jeune, pourtant je pensais pas un livre jeunesse, qui est vraiment pas pour la jeunesse, c'est La Plaie de Nathalie Enberg. Et voilà, ça m'avait beaucoup frappée, ça avait ouvert mon imaginaire. Très récemment, j'ai lu Le Maître de la Matière de Andreas Eschbach, que j'ai adoré. Et je trouve qu'il a une très grande sensibilité dans la façon dont il traite ses personnages, les relations entre les personnages. Moi, je suis une très grande fan d'Andreas Eschbach.